Muriel Cousin, Stéphane Guillon. C'est quand même expliqué, hein, Muriel Cousin, peut-être qu'avant de rencontrer Stéphane Guillon, vous étiez quand même déjà dans ce métier. C'est grâce à l'émission de Berne alors que vous êtes rencontrés. Oui. Oui. Quand vous êtes rencontrés, vous aviez des enfants chacun. Vous avez parlé de votre tribu, là, c'est parce que vous aviez des enfants chacun de votre côté. Hein. Muriel, 3, moi, 3, et on a une petite fille ensemble, ça fait 7. 7 enfants. Et Muriel, c'est Blanche-Neige. 7 enfants dont il faut s'occuper. C'est venu naturellement l'idée de travailler ensemble, c'est-à-dire de faire la mise en scène de Stéphane Guillon et de coécrire, ou plutôt de retravailler ses textes. Comment c'est venu? C'est pas si obligatoire et si naturel que ça. Oui, c'est venu assez spontanément. Enfin, on a un peu le même humour, en fait, le même rire. Alors, on l'exprime pas de la même façon. On n'est souvent pas d'accord sur la façon d'exprimer ou sur les choses, mais on rit des mêmes choses. Je pense que c'est assez important. En fait, dans un couple, on dit qu'il faut avoir la même sexualité, il faut aussi avoir le même humour. Et les mêmes idées politiques? Non, pas forcément. D'ailleurs, on n'a pas forcément les mêmes idées politiques. N'êtes pas sûr de voter pareil aux prochaines présidentielles? Non, justement, on n'est pas sûr de voter pareil. D'ailleurs, on n'est pas sûr du tout de voter pareil. J'en parle dans le livre, une des rares fois où je ne l'écoute pas, ça va me coûter cher sur Éric Besson, je le cite, il est très tard, il est 1h du matin, je termine mon papier et elle me dit « je serai toi, je ne mettrai pas œil de fouine ». Et moi je dis « oh pourquoi, c'est marrant, c'est de la caricature, allons-y ». Elle me dit « fais ce que tu veux ». Et je l'écris et finalement je vais prendre cher et tout le reste du papier, le fond du papier va passer à l'as parce qu'ils vont me choper là-dessus. Quoi. Donc il faut toujours écouter sa femme. Moi, il y a une autre chose qui m'a épaté dans ce livre, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, c'est votre mémoire. Parce que c'est même à croire que vous prenez des notes au fur et à mesure des rendez-vous que vous avez, puisque vous écrivez ce bouquin 2 ans après votre éviction, et en plus, vous remontez quand même sa part de votre engagement à France Inter, qui date de l'équipe précédente, celle de Jean-Luc S. Philippe Val, il faut quand même le dire, c'est encore Cluzel qui est président de Radio France. Et Frédéric Schlesinger. Qui est directeur des programmes. Non, parce que je me suis trouvé, si vous voulez, au départ, je voulais pas spécialement faire de radio. Par exemple, la rencontre avec Schlesinger, le restaurant. Oui, parce que tout ça, c'est étonnant que vous souveniez de ça. Parce que c'est pas un livre, je voudrais pas qu'on, c'est pas un livre uniquement sur mon éviction à France Inter. C'est pour ça que je parle de ça. Mon histoire, c'est 2 ans et demi dans une radio, la vie, bon, c'est la mienne, d'un chroniqueur, dans une radio, et je dis la façon dont on m'a engagé, où on me dit vas-y, amuse-toi, ta carte blanche. D'ailleurs, le slogan de France Inter à l'époque, c'est l'insolence, la différence, c'est l'impertinence. Ils disent tu as carte blanche, vas-y. Carlier venait de partir et chercher quelqu'un vraiment qui envoie le bois. Et il va y avoir plusieurs papiers, dont un, le papier sur DSK. Où là, ils vont commencer à se dire, c'est un peu too much pour nous. Et il va y avoir un changement de direction. Eux ont une lettre de mission, je le raconte dans le livre, qui est de me virer. C'est d'ailleurs une des conditions sine qua non. Il y a plusieurs noms, dont le mien, de gens qui doivent partir. Didier Porte, Frédéric Pommier qui a été déplacé. Et donc, je me retrouve imbriqué dans quelque chose qui me dépasse complètement. Moi, j'étais là pour m'amuser. Je me retrouve dans un truc assez effrayant, parfois, assez menaçant, parfois très drôle. Il y a eu des moments de fou rire. Et j'ai eu très vite le sentiment qu'il fallait que je note certaines choses parce que j'y croyais pas moi-même. Donc c'est pour ça. Et j'ai aussi essayé de faire un vrai travail de vérité. C'est-à-dire, je me fais pas non plus de cadeaux à moi-même dans ce livre. Je me disais qu'en me faisant pas de cadeaux à moi, je serais crédible aussi sur le reste, sur tout ce que je raconte, en essayant à chaque fois d'étayer ce que je dis avec un article ou une citation. En tout cas, c'est vrai que c'est, j'allais dire, presque documenté, le nom du restaurant, même si vous trompez de chien, ça c'est dès le départ, ça m'amuse, parce qu'on voit qu'elle s'y connaît plus que vous, elle est plus douée que vous pour tout ça. C'est une bonne attachée de presse, une bonne avocate. C'est plus qu'une attachée de presse, c'est pas Laurence Ferrari, ma femme. Moi je trouve que c'est... Oui, vas-y, chérie. Non, mais c'est quand même, ça reste une aventure aussi familiale, quand on vit des moments comme ça, qu'on travaille ensemble, Il faut aller très tôt le matin à la radio. Mais ça a l'air de rien, mais ça change toute une vie de famille. D'abord, il a connu, il a donné. Oui, non, mais je sais, mais... C'est pour ça que j'y pense. Et...
Et c'est vrai que ce qui est étrange quand on travaille ensemble, c'est qu'en fait, on travaille tout le temps. C'est-à-dire que le matin, le week-end, au petit déjeuner, on va parler d'un truc. Enfin, on peut pas séparer le moment où on travaille, le moment où on est en couple. Enfin, c'est pour ça que vous vivez ça à fond, vous êtes à fond dedans, quoi. On dit beaucoup de saloperies. J'ai dit un jour qu'on était les Ceausescu du rire. Alors, quand même, les ennuis, il faut le dire, Stéphane, n'arrivent pas uniquement. Ou en tout cas les prémices, les ennuis n'arrivent pas uniquement au moment de l'arrivée de Val et de S. Et ça, alors, ça m'a intéressé parce que je ne connaissais pas ce moment. C'est-à-dire que l'histoire de Martine Aubry et du petit pot à tabac, moi, je pensais que c'était sous l'air S et Val. Et c'est sous l'air Cluzel et Schlesinger. Oui, mais ça a pris cette importance-là parce que ça suivait mon papier sur DSK. À partir du moment où il y a eu le papier sur DSK, il faut comprendre que Strauss-Kahn a dit « Tant que ce garçon sera à France Inter, je ne reviendrai pas ». Et c'était à l'époque le favori à la présidentielle. Il faut rappeler pour ceux qui ne s'en souviendraient pas que ce matin-là, vous faites une chronique quelques minutes avant que Dominique Strauss-Kahn soit interrogé par la rédaction. Vous faites une chronique en disant toutes aux abris, les filles, planquez-vous, DSK va arriver. On est combien d'années? Deux ans avant le Sofitel. Hein. Personne n'avait vraiment osé mettre sur la place publique. Non, ni les journalistes, ni les humoristes, personne. Alors, et vous dites d'ailleurs, vous le racontez ça aussi, que ça vient pas de vous. C'est quelqu'un qui vous donne l'idée de cette chronique. Oui, c'est en parlant à la sortie du bocal, où on me dit Strauss-Kahn vient demain, t'as qu'à mettre une sirène et dire les filles tout aux abris. C'est comme ça que naît l'idée. Donnez pas le nom de la dame qui vous dit ça. Hein. Non, c'est un garçon. Ah, c'est un garçon. J'étais persuadé que c'était une femme, moi, qui vous disait ça. C'est un garçon. Ah bon, parce qu'à un moment donné, j'ai dit, tiens, c'est peut-être Audrey Pulvar, elle était peut-être déjà à Inter à l'époque. Elle voulait éliminer un concurrent de Montebourg. Ah ben tiens, ça, on ne l'avait pas traité. Vous voyez comment on fait l'histoire, hein. Procès numéro 25001. Et là, quand même, vous êtes... alors, c'est drôle parce qu'à la fois, je trouve que ce livre, par certains côtés, vous réhabilite dans... Parce que la chronologie aide mieux à comprendre votre mécanisme et votre fonctionnement. Mais en même temps, cette histoire de Martine Aubry, là, je trouve que vous êtes gonflé. Parce que Schlesinger, qui est un type qui vous aime bien, qui vous est plutôt favorable, qui vous choisit, qui vous met à l'antenne, qui est un mec bien, qui ne va pas rester directeur des programmes, qui va être viré. Mais en tout cas, au départ, en plus, il vous fait signer un contrat de deux ans pour être sûr... Non, ça a été un seigneur. Pour être sûr que vous puissiez rester quand le président et le directeur d'après débarque, hein, c'est comme ça que vous êtes couvert. Mais pour tout le monde, pour tout le monde. Il va travailler tous les contrats de tout le monde pour nous permettre de ne pas être viré tout de suite. En tout cas, ce type-là vous dit, après l'histoire de Martine Aubry, là quand même je vous ai trouvé quand même salaud, il vous dit, attention, demain c'est Martine Aubry, en gros, hein, je vais plus vite, je caricature, demain c'est Martine Aubry, rien sur le physique de Martine Aubry. Et là je fais un sketch dessus. Et non, là vous y allez quand même, là je trouve que c'est pas bien. Non, évidemment, mais d'abord j'ai pas fait que des choses bien dans cette période à France Inter. Je suis d'accord, mais il a un côté sale gosse qui est chiant, hein, des fois, je le cache pas. Parce que ce type qui est directeur des programmes, qui vous laisse une liberté formidable, il vous dit, rien sur l'affaire, c'est rien sur... Allez, là, tu te calmes sur le physique de Martine Aubry. Même à la limite, vous attendez 8 jours. Mais non, paf, dès le lendemain, vous y allez. Et là, c'est de la provoque. Là, c'est inutile. C'est méchant vis-à-vis de lui. C'est pas sympa. Non, vous connaissez bien le... Bon, c'est-à-dire que le problème de nos métiers, c'est-à-dire que, si vous voulez, on s'amuse toujours... Moi, la provocation est un plaisir. Et on s'amuse toujours à frôler la ligne jaune. Mais vous, plus que les autres. Et c'est vrai, mais c'est le... Voilà, parfois, on la dépasse. C'est les limites de l'exercice. Il m'est arrivé d'aller trop loin. Donc, Muriel, c'est mon garde-fou. Mais il y a des fois, évidemment, je ne mets pas tout le temps dans le mille. Je mets à côté. Il y a aussi le fait, enfin, qui est de fournir tous les jours un texte, un sujet... Parfois, il y a quand même on est désemparé, une fatigue, on ne sait plus, on va au plus facile. Alors, c'est vrai qu'Éric Zemmour lit Le Monde, et Stéphane, il va faire un truc un peu... Voilà. Ça, je suis d'accord avec vous, il faut produire tous les jours, au quotidien, on est obligé, on se trompe, et on commet des erreurs. Oui, ça arrive, ça c'est inéluctable. Ça, c'est la règle de l'écriture quotidienne, on ne peut pas faire que des bonnes choses, et on est obligé de commettre des erreurs. C'est vrai pour les politiques aussi, en même temps, ce qu'on dit là. Tous les jours, ils sont obligés de répondre à des questions. Ils font aussi des erreurs. Alors, vous allez me dire, c'est votre rôle de les noter et je ne veux pas les défendre, mais quand même, vous voyez bien que l'exercice est difficile dès qu'on est public et dès qu'on intervient dans les médias. Oui, je ne sais pas, qu'est-ce qu'on peut faire pour eux? Il n'y en a aucun qui a grâce à vos yeux? Si.
Mais il y a des gens, même des gens de droite, qui ont grâce à mes yeux. J'ai trouvé par exemple, j'ai trouvé, on en a parlé l'autre jour, la prestation d'Henri Guénaud face à Marine Le Pen. Je trouve qu'Henri Guénaud a été un des rares à, sans s'énerver, à désamorcer totalement le discours de Marine Le Pen. Il a fait plaisir à Zemmour, hein, l'autre jour à la télévision. Donc voilà. Canteloup, ça j'ignorais que le 30 août 2010, c'est-à-dire que la rentrée qui suit votre éviction, c'est-à-dire alors que vous n'êtes plus à l'antenne sur France Inter, eh ben, il vous envoie un petit message. À l'heure de ma chronique, à l'heure où j'aurais dû être là à 7h55, c'était fin août en plus. Ça c'est vachement fair play. Parce qu'il faut se rappeler quand même. Hein. Oui, on était en concurrence. Et le lundi 30 août 2010, vous ça fait donc que 3 mois que vous n'êtes plus à l'antenne, ça, il y a eu les vacances, le mec il revient, Canteloup. Ouais. Non, je trouve que c'est vachement... Vous pouvez lire, il est joli son... Ah oui, petite pensée de matinale orpheline, ouais, c'est joli. Bien à toi Nicolas. Ouais. C'est classe. Ouais, c'est classe, ça m'a même... Enfin, ça m'a c'est un vraiment... joli prénom Nicolas, vous voyez. vous l'avez déjà rencontré, tiens justement le président de la République Nicolas Sarkozy. Non, je l'ai... aimé. Non, pas spécialement. Il n'a pas cherché à vous rencontrer. Non, Mitterrand invitait les gens qui lui tapaient dessus. Mitterrand avait invité Coluche et le Luron. Mais Mitterrand, c'était... Natacha Polony, Audrey Pulvar. On a affaire à un cas, à deux cas peut-être même avec l'épouse. Ah oui, on admire depuis tout à l'heure. Et puis moi, je m'incline parce que j'ai lu ce livre et du coup, j'ai l'impression d'avoir Rosa Luxembourg. D'avoir Rosa Luxembourg en face de moi. Et vraiment... Je suis admirative. Non, je plaisante, mais ce qui me gêne dans ce livre, parce que c'est vrai qu'il m'a beaucoup gênée. Il m'a beaucoup gênée parce que votre chronique sur DSK, en fait, toutes les chroniques dont vous parlez, je les ai entendues. J'écoutais France Inter à l'époque, et la chronique sur DSK m'avait fait rire, parce que d'abord elle était drôle, et ensuite vous vous attaquiez à un puissant. Et ça, c'était bien. Ça, c'était courageux. Le problème, c'est que quand on lit ce livre, où vous déballez à peu près toute l'histoire de France Inter, certes des moments édifiants dont vous estimez qu'ils montrent les rapports entre les médias, les politiques, pourquoi pas, mais il y a aussi un côté règlement de compte, déballage, vous citez des gens à France Inter que vous accusez de n'avoir pas été solidaires, etc., et qui eux ne sont pas des puissants, qui n'ont pas votre assise médiatique, votre surface, qui ne pourront jamais répondre, qui ne pourront jamais se justifier. Et déjà ça m'a gênée, en effet, de voir ce récit de votre héroïsme face à tous ces lâches et le fait que vous seriez l'incarnation de la liberté d'expression opprimée par la dictature. Il y a même une phrase que j'ai notée parce que je la trouve assez extraordinaire. Il y a Zemmour qui se marre parce qu'il se dit « Avant, c'était moi qui disais ça. » Mais je suis sûre que la phrase va plaire à Zemmour. C'est peut-être à ce moment-là, à 46 ans, que j'ai compris comment techniquement une dictature pouvait se mettre en place quand des gens brillants, intelligents, commencent à laisser faire, à accepter, à céder uniquement pour ne pas perdre leurs petites prérogatives. Oui, parce que je vais juste dire, d'abord, dans le livre, il y a des gens qui m'ont soutenu. Je parle de Nicolas Demorand et je parle de d'autres, les deux personnes, Claire Savergent, Madame Pinson. Et ce qui était extraordinaire quand on se retrouve comme ça, confronté à ça, c'est qu'on s'aperçoit que finalement, des gens puissants qui ont une tribune, par exemple, dans Libération, dans Le Monde, qui portent des valeurs de liberté d'expression, de liberté de pensée. Ces gens-là, finalement, c'est vrai, j'aurais attendu, moi, qu'ils prennent ma défense, et ils ne l'ont pas prise. Et en revanche, il y a des gens formidables, que je cite dans le livre, et des gens peut-être plus modestes, des techniciens, des gens qui sont aux relations publiques, des gens qui sont... au personnel, etc., qui ont pris, eux, et je les cite, des vrais risques pour me défendre et qui sont même venus témoigner à mon procès et à celui de Didier. Donc, Didier Porte. Ce qui est sûr, c'est que quand on est auditeur de France Inter, le bouquin va passionner parce qu'on est quand même dans les coulisses de la station. Oui, mais de façon assez partielle. Parce que quand je parle de la dictature, c'est vrai que quand on laisse faire, quand on voit que des gens brillants, intellectuellement, puissants, laissent faire, acceptent des choses qui étaient totalement
inadmissible que je raconte dans le livre. On se dit, si jamais ces gens-là que moi j'admirais, dont je lisais les éditos, d'ailleurs je ne les cite pas quand je dis ça. Si on accepte ça, on comprend le ferment d'une dictature. Moi, je me suis toujours demandé comment les dictatures d'Amérique latine, par exemple, pouvaient naître. Je m'aperçois, si vous voulez, que des petites compromissions, des petites lâchetés, il y en a eu. On arrive finalement à ça. Et c'est juste Stéphane ça Guillaume, que ça veut dire. Ce n'est pas d'avoir. Pendant ce temps-là, Muriel Couvin mûrit ses arguments, d'avoir réfléchi à mes puissances. Ce n'est pas le fait d'avoir, comme tous les comiques actuellement, expliqué que Besson était une ordure, que Brice Hortefeux était un fasciste, que Guillaume était un fasciste, qui est profondément subversif. Et surtout, quand on vous écoutait. Parce que je l'ai fait en tant qu'auditrice, tout simplement, quand on vous écoutait expliquer tous les jours que vos patrons étaient absolument innommables, mais dans n'importe quelle boîte privée, vous auriez été viré. Oui, alors pardon, là je vous interromps, je vais prendre sa défense, parce que moi aussi j'ai pensé longtemps, il le sait Stéphane Guillon, j'ai pensé longtemps ça, et je trouve que là, le livre donne une autre vision de ça, parce qu'en fait, s'il le fait... ça, c'est ce que j'ai bien compris, alors que je pensais vraiment autre chose. Je pensais comme vous, Natacha. Quand mais je continue à le penser après avoir lu. Ben non, moi, quand je lis le bouquin, je comprends que quand même, il le fait parce qu'il se sait condamné. Et qu'il se dit, puisque de toute façon, ils ne me garderont pas, ils vont me virer, autant que j'y aille à dos. D'abord, j'ai... C'est non. Ça. Oui, et mais puis j'ai... La seule chose qui contredit ça, et justement, c'est pour ça que j'ai donné cet exemple, la seule chose qui contredit ça, c'est justement le petit passage sur Martine Aubry et son physique, que vous faites quand il y a Schlesinger, parce qu'on se dit, de toute façon, quoi qu'il se passe, il a envie d'emmerder ses patrons. C'est une chose totalement schizophrène. Juste ça. Je suis face à un patron qui est Jean-Luc Hess, qui me dit, que je connais depuis des années, je t'adore ma poule, tu me fais marrer, moi dans 5 ans je suis à la retraite, Sarko je m'en branle, fais ce que tu veux. Ça c'est le discours qui me tient quand il est en face de moi, et derrière, il me débine dans la presse. Il me débine dans la presse. Et je cite les moments. Il y a un moment, je me dis, comment mon patron peut me dire qu'il m'adore et me cracher dessus dans la presse? Et c'est à ce moment-là que je me dis, il est en train de se passer quelque chose qui me dépasse. Et c'est à ce moment-là que je commence à me défendre dans mes papiers, ce qu'ils vont appeler, eux, privatiser l'antenne. Mais encore une fois, ce n'est ni Didier Porte, ni moi-même qui avons commencé, qui avons injurié nos patrons. On s'est défendu. Parce qu'on se savait condamné. Voilà. Autre aspect d'ailleurs que j'ignorais, je pensais que vous étiez alors main dans la main avec Didier Porte. Là, vous êtes très franc, hein, vous racontez que c'était pas un grand amour entre vous au fond au départ. Après, bon, il y a eu une solidarité de virée, mais vous aimiez pas trop. Vous balanciez même des trucs à travers la presse. On moi, j'ignorais a, tout on ça. On a comme tous les humoristes aucun humour sur nous-mêmes, on est susceptibles, etc. Et c'est vrai qu'on se balançait des trucs par chronique interposée. Et puis à un moment donné, quand on a vu qu'on était dans la même charrette, on s'est appelé et on a dit, bon, on arrête, là, il faut qu'on soit solidaires. À un moment, quand on vous lit, on se dit qu'il aurait été viré tout seul. Peut-être que vous auriez fait comme tous les autres que vous dénoncez, que vous auriez sauvé votre poste. Mais vous savez que dans ce livre, par exemple, je dis que je n'ai pas pris la défense de Frédéric Pommier. Je parle de mes lâchetés, je parle de mes lâchetés de mes amis aussi. Par exemple, Nicolas Demorand, il y a un moment donné, je ne comprends pas sa position au journal de Michel Denisot. J'essaye, contrairement à ce que vous avez lu, de faire un vrai travail de sincérité et de me dire que moi aussi, parfois, j'ai peut-être été un peu lâche et que j'essaye aussi de comprendre tout ce mécanisme qui s'est mis en route. Avant de donner la parole à Audrey, Muriel veut dire quelque chose. On avait même eu un moment l'idée d'en faire un scénario. Donc c'était totalement... J'ai l'impression que vous êtes victime de votre incapacité à faire le distinguo entre celui qui a écrit le livre et ce qui est dit dans le livre. Parce qu'en fait, vous parlez d'un livre qui n'est pas ce livre. C'est-à-dire que tout d'un coup... Bon, j'en sais rien. Pourquoi peut-être qu'il aurait fallu que, je sais pas, à la limite que je le signe en prenant un narrateur qui est un personnage, voilà. Et en ce sens-là, j'avais vraiment envie justement qu'il se départisse de ses... ça l'a vraiment rendu malheureux. C'est pareil, on pouvait faire ce que vous voulez, mais on peut soupçonner que c'est faux, que c'est une façon de se victimiser, que c'est une façon de... On voit qu'il est très malheureux, ça, on le voit. Mais oui. Je veux dire, c'est une peine qui a été réelle. Ça s'appelle une blessure narcissique. Non, pourquoi? Parce que vous... Mais c'est ça, c'est l'impression que ça donne. Ah, alors, ce mot est très fort, parce que c'est une forme de... Mais c'est tout à fait ça, on est en plein dedans. Alors, blessure narcissique, c'est dans le sens
dans le sens pervers, forcément. C'est, non, c'est dans le sens on ne m'aime plus, je ne suis plus sur les affiches, on ne prend pas ma défense à 200% alors que je suis celui qui dit qui protège tous les autres, qui défend tous les autres, je suis la voix des sans-voix quasiment. Enfin, quand vous écrivez, Stéphane Guillon, bon, même si on sent bien que vous avez écrit à quatre mains, mais quand vous écrivez, c'est à force de petites compromissions, de petits renoncements qu'on en arrive un jour à laisser envoyer un écrivain. Non, c'est pas le même. En arrive, justement parce que vous vous répétez, on en arrive un jour à laisser envoyer un écrivain au goulag. Dites-moi si vous pensez qu'Alif Arzat, célèbre caricaturiste syrien, enlevé et tabassé par les membres de la sécurité de Bachar al-Assad et qui s'est plaint sur toutes les télés du monde qu'on lui avait brisé les phalanges, dites-moi si lui se prend pour Solzhenitsyne. Plus simplement, à partir de quel degré de brimade est-il de bon ton de protester? Oui, parce que c'est... Oui, vous le retirez son contexte. Comment pouvez-vous comparer votre situation à celle d'Alif Arzat? Vous l'avez retiré de son contexte. C'est tout un truc sur Begbédé. Sur Begbédé, ça n'a rien à voir. C'est Begbédé qui a dit... il se prend pour Solzhenitsyne. Donc, puis il a dit, voilà, où on met le curseur, où ça commence. Oui, c'est-à-dire que le jour où je suivirai, je vais au grand journal en disant je suivirai, puis je monte ma lettre de licenciement, Begbédé dit, il se prend pour... Donc, il y a un moment donné, je dis juste avec de humour, jusqu'où on tolère pas. Voilà, qu'est-ce qui est grave, qu'est-ce qui n'est pas grave. Enfin, pardon, hein, Natacha et Audrey, je ne veux pas être l'avocat de Guillon, parce que je trouve qu'il a des torts aussi, et je lui ai souvent dit, mais il est plutôt honnête aussi sur le côté, enfin, il a conscience de l'indécence même de la manifestation, par exemple. Il le raconte, il l'écrit, il le dit, que tout ça, c'est quand même un peu... il a conscience du côté dérisoire des choses, même si ça le blesse, sa blessure est sincère. Il se rend bien compte quand même que c'est pas non plus l'affaire internationale du siècle. Et alors pourquoi faire un livre deux ans après? Pourquoi faire ce livre aujourd'hui? Quelle est la raison de ce d'abord, livre? D'abord, c'est le temps de l'écriture et ça, c'est l'histoire de la littérature. Ça a été mon temps à moi. J'avais pas envie de faire quelque chose sur l'aigreur et l'amertume. J'avais pas envie de faire un règlement de compte. J'avais envie qu'on retrouve le ton que les auditeurs ont aimé dans mes chroniques. Que ce soit, parce qu'on l'a peut-être pas dit, mais que ce soit aussi un livre drôle. Et il y a plein de passages où c'est pour ça que j'ai essayé d'alléger tout ça et de rendre ça drôle et aussi d'écrire ça presque comme un roman policier parce que j'ai été comme ça pris dans quelque chose. Faites marrer Zemmour en tout cas. Exactement ce que faisait Zemmour à l'époque. Mais oui, hein, mais vous sortez du contexte un peu. Beaucoup moins de talent. Un mot alors, parce que finalement, voilà, vous êtes tranquille parce que c'est vrai qu'elles font le boulot là face à Guillaume. Vous pensez exactement la même chose. Il n'a pas intérêt à l'ouvrir, hein, je le tape. Zemmour, Je ne sais pas parce que j'ai pas encore lu le livre, mais j'écoutais, ça m'amusait beaucoup évidemment, et je me disais que moi justement j'avais pas voulu faire un livre sur toute cette aventure qu'on a eue justement concomitamment pour éviter ça. Donc je comprends exactement ce qu'elles ont voulu dire. Moi je suis d'avis, alors c'est un avis personnel. Hein, soit de ce genre de choses, soit on fait un vrai roman. C'est-à-dire qu'on change les noms et on fait un vrai roman, on essaie de faire un truc littéraire, d'écriture à partir d'un événement. Oui. Parce que moi, par exemple, comme j'étais fasciné par les grands écrivains du 19e siècle, j'ai essayé de faire ça avec un fait divers dans mon roman qui s'appelait Petit Frère, une espèce de fantasme comme ça d'écrit de le roman balzacien. En plus, il y a la matière, une radio, tu vois, c'est. Bon, voilà. Ou alors, on n'écrit pas. Mais l'entre-deux me terrifie parce que on tombe dans ce qu'elles ont dit. Écoute, tu vas être content parce que, à part les noms que j'ai pas changés, c'est exactement le bouquin que tu souhaites. C'est ce que j'ai écrit. Bon, alors je pense lirai. Que tu vas être. Enfin, c'est pas un roman, hein, c'est moi. Moi, non je trouve. J'ai beaucoup de retours et beaucoup de gens m'ont parlé justement. D'abord, ils ne l'écoutent pas. Ils ouvrent le livre et le lisent d'une traite du côté roman. Et parfois même roman policier. Enfin, c'est une vision quand même très partielle hein, de la, parce qu'on dit que ça raconte l'histoire de France Inter, etc. C'est une vision très partielle de la mais vie. Mais vous y êtes encore alors forcément. C'est une... Mais attendez. Mais moi qui ne suis pas, j'ai été fascinée par la position de Dolé est délicate en étant salarié de Jean-Luc Hesse. C'est vrai que j'ai une position. Je suis connue pour mon côté. Mais vous êtes habitué de. Je suis connue pour ma souplesse. Je suis connue pour comme étant quelqu'un qui plie les chines. Effectivement, je suis connue pour ça. Non, c'est pas ce que je voulais dire.
Je voudrais juste un tout petit peu de respect pour vos collègues matinaliers de France Inter, parce que quand on lit ce livre, on a l'impression qu'il se passe absolument rien le matin. Vous dites il se passe rien, vous voulez avoir une notion de l'ennui, allez à 4h du matin à la rédaction de France Inter. Il y a juste des gens, c'est écrit noir sur blanc. Il y a juste des gens. Essayez juste avec la même douceur et le même sourire que vous avez employé avec Michel Onfray et avec Éric Zemmour. C'est la seule chose que je vous demande. Il ne le mérite pas forcément. C'est ce que je disais tout à l'heure avec la carte et pas la carte. Non, mais c'est ça super se voit facile. Trop quand vous n'aimez pas Audrey. Mais oui, et mais si je peux juste parce que vous, poser, ça ne se voit pas du tout si quand vous n'aimez pas quelqu'un. Si je peux juste, un tout petit, mais vraiment entre collègues. Vous voyez, je me suis surpris. La seule fois où j'ai été du côté de Jean-François Copé de toute ma vie, c'est quand Jean-François Copé était face à vous. Ça sera la seule fois de ma vie. Parce que, par exemple... Ça se voyait tellement que vous vouliez vous le faire que vous avez perdu de votre force. Notamment sur Ziad Taqiyeddine. Parce que Taqiyeddine, c'était un argument extraordinaire. Nicolas Sarkozy nous a promis une République irréprochable. Et Taqiyeddine, si vous l'aviez bien préparé, bien amené... Il aurait été obligé de vous répondre. Mais vous aviez tellement envie de le sortir que vous l'avez foiré. Et je trouve que c'est dommage. Des leçons de journalisme de la part de Stéphanie. C'est tout de même courageux de sa part de l'avoir fait. Si je peux aller au bout de ma phrase, c'est courageux. Si j'ai le droit d'aller au bout de ma phrase, je trouve tout le début de ce livre, et plusieurs fois dans ce livre, la façon dont vous parlez. Du fonctionnement de France Inter, en tout cas tôt le matin, puisque c'est de ça qu'il s'agit, assez irrespectueux. Il y a des gens qui sont là dès 2 heures du matin, qui bossent, qui sont effectivement pas en train de parler, de faire la blague parce qu'ils n'ont pas le temps, parce que comme vous le savez, une matinale, ça va très vite, et qui sont dans leur bureau en train de travailler, qui se font une petite conférence de rédaction, qui retournent travailler. Donc c'est pas morne pleine. Ensuite, je vois pas l'intérêt, effectivement, de donner des noms de façon... Je ne vois pas l'intérêt de donner des noms aussi précisément. Quand vous expliquez que Thomas Legrand, finalement, vous le présentez, effectivement, comme Natacha disait, comme un lâche. Parce que vous allez le voir en vous disant « Ah, on va prendre le pouvoir. Je nous voyais déjà occupant les studios d'Inter dans un joyeux bordel, un melting pot d'éditos, de chroniques, de débats passionnés sur l'indépendance des médias, point presse improvisé sur le trottoir, invité prestigieux, etc. » C'est-à-dire que moi aussi j'ai été lâche. En fait, on a Thomas Legrand qui me dit « Oui, mais moi je n'ai qu'un métier, j'ai pas comme toi. » Je lui rends hommage. Je dis que c'est formidable que Thomas m'ait dit. Thomas m'a dit à ce moment-là, c'est un peu confus, pardon, mais Thomas me dit à ce moment-là, toi, tu as ton spectacle, tu as Canal+. Moi, je n'ai que ma chronique à Inter. Et je dis que j'ai trouvé cette réponse de Thomas, qui aurait pu me dire, oui, effectivement, on va faire quelque chose, extrêmement franche et courageuse. Le courage, c'est pas ce qui vient à l'esprit quand on lit la façon dont vous l'avez raconté. Je rends hommage à Thomas sur cette phrase, de m'avoir dit la vérité tout de suite. Maintenant, sur France Inter, il y a des tas de moments dans le livre, et je vous invite tous à le lire. Je rends hommage aux équipes. Je cite d'ailleurs la phrase de Daniel Mermet, qui est depuis des années à France Inter, et qui dit Valéès sont des médiocres dans une vallée fertile. La vallée fertile, c'est France Inter. Il y a des gens formidables. J'ai reçu, de la part de gens de France Inter, Muriel est témoin, des dizaines de mails, de messages vraiment, vraiment super. Vraiment super. Alors, il y a des gens qui sont encore, que je ne vais pas citer. En revanche, j'ai une minute. Oui. Vous diriez que France Inter est une radio sarkozyste aujourd'hui? Pardon. Oui, parce que c'est vrai que France Inter est devenue une radio sarkozyste. Ils ont des raisons d'être un peu vexés dans la mesure où quand on vous lit, on a l'impression que, en gros, la liberté d'expression s'est éteinte avec vous et que véritablement, Nicolas Sarkozy a enfin mis la main sur les médias. L'auditeur de base de France Inter n'a pas totalement cette impression-là. Donc vous avez lu ce que vous aviez envie de lire, parce que là, vraiment, je ne comprends pas pourquoi vous dites ça. Il y a une liste de Nicolas Sarkozy qui est dans le contrat de Philippe Maillard. Il y a un passage, il y a un moment qui m'a énormément blessée, mais qui a été très douloureux dans cette période. Le seul qui a été pour moi vraiment douloureux,
effectivement ce papier sur Besson où Stéphane, les yeux de fouine, machin. Il y a, Jean Huquet fait une tribune dans Le Monde où il dit ce papier sur Besson, sur Éric Besson, me rappelle les heures sombres de notre histoire. Stéphane Guillon a dit deux points, ouvrez les guillemets. Non, mais j'opine du bonnet parce que je pense que pour une fois que c'est dans ce sens-là que quelqu'un rappelle les heures sombres de notre histoire et pas en sens inverse. Deux points, ouvrez les guillemets. Non, mais c'est là. Les yeux de fouine, les nez crochus. Donc, le nez crochu, donc après, fermez les guillemets. Donc, quelqu'un qui n'aurait pas entendu la rubrique pourrait supposer que dans cette chronique, il y avait effectivement les nez crochus. Et que je n'ai pas écrit. Évidemment. Bien sûr, qui n'a pas été écrit. Donc, je ne sais pas, en tant que journaliste, ça m'intéresse d'avoir votre avis par rapport à ce. Comment Jean-Luc Hesse peut écrire une tribune dans c'est le monde terrible, me faire en passer pour un antisémite. En rajoutant les nez crochus. Il vole ma peau, il a le droit. Mais ça, c'est absolument terrible. C'est terrible. Je trouve ça anormal, je trouve ça incorrect. Je trouve qu'il y a des choses qui ont été dites de part et d'autre dans cette affaire, aussi bien de la part de Jean-Luc Hesse que de la part. Non, il n'y a pas une manipulation. Non, parce que tout à l'heure, vous parliez de narcissique. Là, pour le coup, un narcissique, enfin, c'est celui qui va essayer justement de détruire l'identité de l'autre en le manipulant. Un pervers narcissique, en tout cas, c'est ça. Un pervers, on n'a pas parlé de pervers narcissique. On y a parlé de son narcissisme à lui. Exactement, rien à voir. L'activité consistant à se regarder le nombril et à considérer qu'on est le centre du monde. Non, c'est vous qui êtes de mauvaise foi. Vous faites exactement ce que vous reprochez à Jean-Luc Hesse. Vous mettez dans notre bouche des mots qu'on n'a pas prononcés. Vous avez prononcé le mot narcissique. Oui, qui n'est pas pervers narcissique. Bouge par rapport à Stéphane, c'est une valeur normative. Là, vous faites de l'interprétation de nos pensées. C'était un compliment, donc. D'accord, non, c'était pas un compliment, ça ne voulait pas dire un pervers narcissique. Ça voulait dire quelqu'un qui nous explique à longueur de page qu'il est malheureux, qu'on ne voit plus sur les affiches, qu'il est le mal aimé, qu'il est persécuté depuis le début. Non. Moi, j'ai juste, voilà, j'ai adoré plusieurs de vos chroniques, j'ai fait partie de votre public, j'ai fait partie de ceux qui étaient choqués, et je ne travaillais pas à France Inter à ce moment-là. Là, de vous entendre parler le matin en disant Jean-Luc Hesse, tu as mis tes couilles dans un plateau pour Nicolas Sarkozy. Excusez-moi, je veux bien qu'on provoque, etc. Mais c'était à un moment où vous étiez déjà dans une position un peu compliquée. Je ne suis pas sûre que ce soit ça ait changé la démocratie en France de dire ça. En revanche, je ne crois pas que ça fasse plaisir à Jean-Luc Hesse, qu'on peut peut-être comprendre. Encore une fois, je pense qu'il faut citer toute la chronique et pas juste cette phrase qui, comme ça, effectivement, peut paraître, pour les gens qui l'entendent, violente. C'est-à-dire qu'il y a toute une chronique et il y a cette phrase-là. Ce qui est intéressant, en tout cas, je crois, dans ce livre, c'est de s'apercevoir, puisqu'il y a beaucoup de livres en ce moment sur le bilan des années Sarkozy, ce que ça veut dire quand le président de la République nomme les responsables de l'audiovisuel public. Et ce qui est intéressant, c'est de voir effectivement toutes les pressions, toutes les choses qui ont été faites pour que je sois en même temps dégagé. Ça, c'est intéressant. Je suis d'accord avec vous sur le fait que le président ne doit pas, bien sûr, c'est une mauvaise idée, que le président ne doit pas nommer le président. Parce que même quand il prenait des bonnes décisions, ça leur est arrivé. C'est vrai. Ça jette un voile de suspicion. Pour avoir connu France Inter avant, moi aussi, vous le savez, Stéphane et plusieurs présidents, Jean-Marie Cavada, Boyon, et encore avant, j'ai oublié son nom. Voilà, on sait bien que c'était en fonction aussi de l'alternance et qu'on retrouvait à tel poste, même s'ils n'étaient pas nommés directement par le président, qu'on retrouvait des gens de droite ou de gauche en fonction des gouvernements de droite ou de gauche. Honnêtement, France Inter est tout, n'est pas vraiment et une radio sarkozyste ni de droite. Et en plus, là-dessus, je rejoins. Là-dessus, c'est à gauche. J'ai pas dit ça. J'ai dit que c'est vraiment une radio très... C'est hémiplégique. Exactement. Honnêtement, non mais... Il y a ce passage qui est un extrait du livre de Fabrice Lhomme, c'est ça, Fabrice Lhomme, qui raconte quand Véronique Brocard, journaliste à Télérama, on ne peut pas la soupçonner, etc., elle est dans le bureau de Jean-Paul Cluzel, hasard total, et Cluzel a Claude Guéant au téléphone, il dit « Excusez-moi, j'ai Claude Guéant », et Véronique Brocard sort dans le couloir. Elle revient, et Cluzel est livide, président de Radio France, Cluzel, il est livide, il lui dit « Voilà, avant Jean-Luc Hesse, il dit « Je m'en vais », Val est nommé directeur de France Inter, et Jean-Luc Hesse, président de Radio France ». Et c'est pas tout, il y a 5 noms. Et elle donne nos noms, dont le mien, Pommier, etc., et Porte. Elle
elle vérifie l'info, elle dit c'est pas possible. Philippe Val, directeur d'Inter, ancien chansonnier, et on lui confirme et la nouvelle et la liste. Donc le fait que mon éviction soit une éviction politique, j'en apporte la preuve, et je pense que ça, on peut me contester beaucoup de choses. Je vous crois volontiers, mais en même temps, voilà. Vous êtes obligé, vous aussi, de croire ce que vous a raconté cette femme. Or, tant que vous n'y êtes pas, vous, qui peut savoir qui dit la vérité? C'est toujours le même problème. C'est pardon de dire ça, mais c'est vrai aussi. Ouais. Non, Stéphane? J'ai ça, et j'ai ce fameux coup de téléphone où on me donne aussi l'info. Bon, voilà. J'ai beaucoup de choses, quand même. Oui, je sais bien, mais vous savez, parfois, on prête à certains ce qu'on veut bien leur prêter. Maintenant, il est évident, et on est d'accord avec vous, que vous n'étiez certainement pas dans, on va dire, dans les petits papiers et peut-être de la présidence de la République, et sûrement même de la présidence, puisqu'il y a eu des déclarations même du président. Mais de là à ce que, effectivement, là où je soutiens Audrey et Natacha, on ne peut pas dire pour autant qu'il y a eu des cas personnels vous concernant Didier Porte, peut-être, mais on ne peut pas dire pour autant que, effectivement, France Inter soit devenue une radio de droite, ça c'est certain. Non, mais je n'ai pas, encore une fois, je n'ai pas dit ça, à aucun moment j'ai dit ça. Je n'ai jamais critiqué mes camarades humoristes qui sont venus après moi. J'ai jamais rien dit à aucun moment, etc. Sur ce plateau, vous avez dit à Patrick Cohen qu'il était dans une radio moins indépendante. Oui, c'est-à-dire que Patrick Cohen a été, il est venu, il m'a cherché, il a voulu se payer ma petite personne. Il en avait visiblement très envie, comme un bon fraisier, et il s'est trouvé que je lui ai mis un smash pleine ligne. Et voilà. Et comme il a une raquette trop courte, en lui disant que France Inter était devenue une radio Sarkozy. Mais franchement, le livre, pardon, hein, je me répète, mais je pense que vraiment le livre, il dépasse totalement ça. C'est-à-dire que là, on le réduit à ça. Et comme disait Muriel au départ de la conversation, ça aurait pu être quelqu'un d'autre. Ce qui est intéressant, je peux juste, parce que j'ai une minute. Allez-y. Parce que c'est quelque chose que j'ai reçu de la part de Nicolas Demorand, directeur de Libération, parce que vous m'avez dit que effectivement c'était un livre qui pouvait être désagréable ou peut-être méprisant pour certaines personnes à Inter. Et il m'écrit ceci. Nicolas Demorand, qui est votre employeur. Hein, oui, qui est mon employeur, mais encore une fois, je ne suis pas spécialement tendre avec lui dans le livre, et c'est mon employeur, enfin, c'est vrai. Vous n'êtes pas non plus très méchant avec employeur lui. Employeur, parce que, rappelons-le, Stéphane Guillon signe une chronique hebdomadaire dans Libération. Mon conseil, demande au service de presse du Seuil de vendre, entre guillemets, ce livre pour ce qu'il est, à savoir un document exceptionnel et à ma connaissance unique sur le fonctionnement quotidien d'un grand média, les relations humaines, les relations patrons, les petits deals, les grands moments, les propos off, démentis par les prises de position publiques, etc. Pour le dire encore autrement, j'enseignerai en école de journalisme, je conseillerai aux étudiants de le lire pour savoir comment ça se passe bien, comment ça dérape, comment fonctionne la lessiveuse médiatique. Et moi, voilà, si le livre c'est ça, je suis super heureux parce que je me dis que j'ai réussi mon livre. Stéphane Guillon va être enseigné dans les écoles de journalisme. Ça va certainement intéresser le petit milieu journalistique. Mais pour le reste, tout à l'heure, quand vous parliez de Philippe Val en disant ex-chansonnier, c'était pas méprisant? Non, c'était pas. Il n'est plus chansonnier. Mais pourquoi avoir précisé comment Philippe Val, ex-chansonnier? Il ne peut pas avoir du mépris pour les chansonniers puisqu'il est lui-même un chansonnier. Mais j'aimerais comprendre le propos que vous avez tenu il y a quelques minutes. En étant étonné que Philippe Val, j'ai toujours été étonné. Alors je vais vous répondre très simplement. J'ai été étonné de l'attitude de Philippe Val. J'ai été étonné à 15 jours de notre éviction qui disent mélanger l'humour à la politique est déplacé, interview télé loisirs, et que 15 jours plus tard, quand Porte et moi-même on était virés, écrivent il y aura toujours de l'humour à la matinale, c'est dans l'ADN de la station. Oui, j'ai été étonné que ce monsieur qui a été un chansonnier brillant, qui a été directeur de Charlie Hebdo, puisse nous reprocher de mélanger l'humour à la politique. Étonné, c'est un étonnement. Ça, c'est vrai que c'est et ça restera toute ma vie. C'est pour ça que j'ai dit ex-chansonnier. Ou alors, c'est son meilleur sketch. Voilà. Allez, on arrête, on termine là-dessus, vous êtes d'accord? Je me suis bien amusé, merci, c'est au sol, c'est signé Stéphane Guillon, avec la complicité de Muriel Cousin, qui met en scène aussi Stéphane à l'Olympia. Et à l'Olympia, bon, c'est pas la peine que je donne les dates puisque c'est complet. Si, parce qu'il y a une supplémentaire. Ah. Il y a une supplémentaire samedi
à 17h. Donc du 1er au 6 mai à l'Olympia, je me suis bien amusé, merci. C'est le livre, en mai 2012, Stéphane Guillon s'en va aussi, c'est le spectacle à l'Olympia. Merci beaucoup. Merci à tous les deux.